To start our new fashion day, we're invited today for private opening of a very interesting exhibition. This is a historical exhibition at Musée des Arts Décoratifs about Harper's Bazaar. Harper's Bazaar is the first fashion magazine which was launched in 1867 and celebrates today 152 years. Je m'appelle Éric Pujalet, je travaille au Musée des Arts Décoratifs depuis une vingtaine d'années. Je m'occupe des collections de mode en collaboration avec tous les conservateurs qui s'occupent de ces collections. Et cette exposition, nous l'avons conçue avec une personne qui est spécialiste de la photographie, qui s'appelle Marianne Le Galliard, qui n'est pas ici pour nous recevoir ce matin. Mais cette exposition, nous l'avons conçue dans l'idée de réunir en hommage à Harper's Bazaar, qui est un magazine qui a été créé il y a 150 ans à peu près, à New York, un magazine très important qui a renouvelé beaucoup l'imagerie de la figure de mode. Nous avons conçu cette exposition comme un hommage en essayant de rapprocher des robes et des photos telles qu'elles sont parues dans le magazine pour créer une synergie entre l'aspect textile et l'aspect imagé de la mode. J'imagine qu'ici nous sommes face au mur avec les couvertures les plus impressionnantes ou les plus anciennes aussi. Alors toutes les couvertures sont assez impressionnantes, c'était très difficile d'en faire un choix, donc c'est un petit peu un choix de hasard pour montrer à peu près l'évolution de l'iconographie depuis les débuts dans les années 1860 jusqu'à aujourd'hui. Alors déjà je vais vous demander en combien de parties cette exposition a-t-elle partagée et combien les idées de créer les vitrines sont venues. Alors en fait cette exposition il y a deux étages et en fait c'est une exposition inaugurale puisque ces espaces sont dédiés depuis une vingtaine d'années aux créations de mode et qu'une rénovation était nécessaire. C'est le studio Gardner qui a fait tous les travaux de rénovation et qui a enchaîné sur la scénographie permettant de mettre en lumière la sélection d'œuvres retenues pour cette exposition. Celle-ci, c'est une robe Charles-Frédéric Vorte des années 1880 et elle fait partie des collections nationales dont le Musée des Arts Décoratifs a la charge. Mais si nous nous retournons un peu derrière nous, là, nous présentons en fait la tapisserie qui est un petit peu le thème de l'exposition. Il faut toujours un petit thème un peu poétique pour avoir une recherche dans une exposition, parce que tout n'est pas que scientifique, il y a aussi une part de poésie. C'est une robe de Christian Dior qui s'appelle Mexico, je ne me souviens jamais. Et cette robe, je la trouve magnifique parce que nous la mettons en perspective de sa parution dans Harper's Bazaar. Le modèle s'appelle Soirée de Paris, c'est un modèle de Christian Dior à l'époque où Yves Saint Laurent, tout jeune, était le premier assistant de Christian Dior. Nous avons présenté à dessin ce dessin de Yves Mathieu de Saint Laurent. Donc on voit le modèle tel qu'il est conçu. Ensuite vous avez le dessin de croquis de presse, donc des uniques exemplaires bien entendu, qui nous ont été généreusement prêtés par la maison Cartier. Ça, c'est un prêt absolument exceptionnel de réunir trois œuvres de cette époque dans une même vitrine. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir les présenter, qui est le sujet de notre exposition. Le magazine Harper's Bazaar a une grande part de littérature. C'est un magazine littéraire aussi, au début, qui publie des textes, des romans, des nouvelles, souvent sous forme de feuilleton. Mais alors c'est juste un travail de dingue de récupérer toutes ces pièces d'archives, de les accorder comme ça avec les dessins, avec des livres. Quand est-ce que l'idée de l'exposition était née et combien de temps il a fallu pour aboutir jusqu'au jour d'aujourd'hui pour l'ouverture? Alors l'exposition est née très rapidement, à peu près en 8 ou 9 mois, dotée d'un catalogue. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux de la présenter avec une certaine fraîcheur. Mais elle naît dans un cadre de musée où ça fait des années qu'on documente les œuvres, qu'on les conserve. Et la conservation des robes, il s'agit non seulement de les conserver sous forme d'objets, mais aussi de les mettre en perspective avec toute la documentation qu'il est possible de réunir autour de ces objets pour comprendre
d'où elles viennent, leur signification.